この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour jouer aujourd'hui à Colin McRae Rally 2, mais pas Colin McRae Rally 2 comme vous l'imaginez, c'est Colin McRae 2 sur la Game Boy Advance. Alors, on se parle souvent de V Rally 3 sur la console de Nintendo comme étant le meilleur jeu de rally, par son côté ultra bien fait, etc. Mais ce jeu est quand même, je pense, le plus proche en termes de réalisme et le plus proche en termes de réalisation, parce que franchement ils ont fait des efforts assez énormes pour une console, vous allez voir. C'est quand même plutôt bien fait. Alors on a plusieurs langues, ils ont pris exactement l'interface de la version PlayStation PC. Regardez, c'est exactement comme celle qu'on a sur console, avec le menu principal. Donc on a toujours les mêmes modes, hein, le mode rallye, le mode arcade, le mode aussi, on a le mode arcade. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont calé 4 voitures en tout. On va voir les options. On a les commandes, on a la voix, donc on va regarder la voix pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est découvrir évidemment le mode rallye, le mode arcade. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer le mode rallye directement. Donc on a toujours le mode championnat, course unique, spécial unique contre la montre. On va prendre une spéciale unique histoire de vous montrer un petit peu. On peut choisir le niveau de difficulté, je vais mettre... on va pas choisir expert pour le moment. Je vais prendre mon intermédiaire. Je vais changer mon nom. Voilà. Tac. C'est parti. Voilà. Et on a les mêmes voitures. C'est vraiment la même présentation. On a les voitures donc de la même saison. Alors c'est marrant parce que regardez celle-là. La Subaru Impreza, j'ai l'impression qu'elle n'a pas les skins. J'ai pas l'impression qu'elle ait le skin de la version originale comme on a dans la version. PlayStation ou enfin console PC, mais un skin un petit peu différent. Et on a la Ford Puma, je sens qu'il manque quelques voitures, hein. Par exemple on n'a pas la Peugeot. Écoutez, on va prendre une voiture un peu au hasard, on va prendre la Ford Focus. On va garder en automatique, et regardez, on a quelques rallyes disponibles, mais on n'a pas tout. Hein. Pour le moment on a que la Finlande, la France et la Suède. Alors je vais vous montrer la France. Même si on verra évidemment un type de spécial. Alors la musique est différente par contre. Par contre, vous allez voir le premier détail qui, pour moi, et je trouve énorme, en tout cas pour l'époque, hein, sur une Game Boy Advance, c'est vraiment celui-là. Vous allez voir, regardez. On a le modèle 3D comme sur la version console et PC. Regardez, c'est de la 3D, c'est vraiment la 3D. Hein. Alors, on va faire une comparaison avec V Rally 3, justement, c'est l'occasion. V Rally 3 est un jeu qui est très très bon en termes de graphisme, mais si on regarde au niveau des véhicules, ce n'est pas de la vraie 3D, c'est un sprite qui est en plusieurs positions et qui calcule par rapport à la position du sprite. Là, on est en pure 3D au niveau du véhicule. Alors je peux faire mes réglages. On a le pneu, la vitesse, la suspension, rapport poids-puissance, rapport frein, répartition frein, direction. Alors c'est pour vous que la scène n'est pas très grande, mais bon, en même temps, c'est ce que vous avez sur la console à l'époque. Hein. On peut réparer les éléments, donc pour l'instant, j'ai rien de cassé, donc je m'en fiche un peu. Et on peut faire pour courir. C'est parti. Et donc on est sur, on est en France. Bon, on est sur console portable, hein, donc il faudra quand même pas, fallait pas non plus espérer avoir un jeu en 4K 60 FPS. Mais première chose que j'ai à dire, c'est que voilà, ils ont fait la voiture en 3 dimensions, vraie 3D. Et c'est un joli effort parce qu'en termes de polygones, ça bouffe pas mal, hein, une voiture quand même. Je me suis totalement trop loupé à l'épingle. Alors comme on est encore sur des consoles portables comme Game Boy Advance où c'est difficile d'avoir une distance d'affichage très grande, c'est assez difficile d'anticiper. Alors le maniement est très directif, enfin c'est très directif, il y a peu de... comment dire... il y a peu de place vraiment pour doser. La voiture tourne vraiment vite.
On a les voix du copilote qui sont plutôt bien rendues. C'est les mêmes voix, je crois que c'est Nicky Grist hein, qui donne. Oui, c'est vraiment les voix de Nicky Grist. Donc en fait, on a les mêmes voix que sur les autres versions de Colin McRae. Alors, je sais pas si vous entendez bien. Je pense que je vais peut-être augmenter un peu le son du jeu parce que le son du jeu me paraît un peu faible. On va augmenter un peu. Alors là, je peux recommencer le niveau, recommencer au stand, quitter ou reprendre la partie. Là, je suis parti un petit peu à la faute. Voilà. Alors là, par contre, voilà, c'est là où justement on va pouvoir comparer. Là, autant la voiture est en 3D, autant les décors sont quand même bien moins propres que sur la version que sur Rally 3. C'est un petit peu dommage. La fluidité, par contre, est très très bonne. Enfin, je trouve pas tout le temps, mais en tout cas, elle est de manière générale assez bonne. Même si on a quand même quelques chutes de framerate à certains moments. Mais de manière générale, la framerate est ok. Et des fois, on a un petit peu de ralentissement. Il y a pas mal d'éléments de décor aussi hein, que l'on peut percuter. Alors, je n'ai pas la possibilité de changer de vue aussi. Hein. Je peux garder que cette vue uniquement. Et vous allez voir un des principaux défauts du jeu. Alors, c'est pas la manimité en tant que telle, parce que la manimité, on est sur une console portable. Donc, bon. C'est difficile de faire quelque chose d'ultra réaliste. Même si la version de Rally 3 se sortait très très bien. C'est, regardez, c'est le mouvement de suspension. Qui est totalement abusif, vous allez vous en rendre compte assez vite. Là ça se voit pas trop parce qu'on est pas sur un circuit très très rapide, enfin, sur une spéciale rapide. Mais il y a des spéciales où vraiment c'est assez ridicule. Limite on peut jouer avec ça pour prendre des virages. Regardez, là je fais passer d'un côté à un autre. Et plus je vais vite, plus la voiture a des chances de se retourner. Disons que dans l'idée c'est réaliste, mais dans la manière dont c'est interprété, c'est assez moyen. Donc c'est pas du mode 7, hein. Je crois pas que ce soit du mode 7, là on est vraiment sur de la vraie 3D. Par contre évidemment les décors sont en 2D, hein. Enfin les arbres c'est de la 2D. Je suis 7ème. Alors c'est pas un jeu facile aussi, vraiment c'est difficile d'anticiper les choses, donc c'est pas compliqué, oui c'est pas facile. Voilà, je suis parti à la faute. Là je suis bloqué complètement dans le décor. Petit détail graphique sympa, la voiture se salit au fur et à mesure de la spéciale. Donc là par exemple, bon, elle est un petit peu salie de manière grise parce qu'on est sur du bitume, hein, c'est de l'asphalte, on est en France. Mais elle peut prendre aussi des projections de boue quand vous êtes sur un autre tracé. On peut voir le replay. C'est là où vous voyez que c'est vraiment une voiture en 3 dimensions, justement. En revanche, je vais vous montrer. Bon, on va passer le replay. Je vais vous montrer la version, la partie arcade un peu plus tard et vous allez voir que malheureusement. La console n'est pas assez puissante pour afficher plusieurs voitures en 3D. Vous allez comprendre. Alors, on a les Toyota, Toyota Corolla, Subaru, Mitsubishi, Lancer. Je vois si c'est justement des voitures qu'on pourrait débloquer. Puma, non. Je ne sais pas si on peut débloquer par exemple le 206 ou ce genre de choses, ou si c'est vraiment volontaire qu'il y ait aussi peu de contenu, enfin en tout cas en termes de voitures. Je vais vous montrer le mode arcade. On va faire une petite course unique. On peut jouer à 4, alors je pense qu'à 4 c'est avec le câble Link de Zelda. Et Mitsubishi Lancer, on va prendre Subaru, je vous montrerai à quoi elle ressemble quand même. Vous allez comprendre que c'est pas spécialement à quoi on s'attend au début. Et là l'avantage c'est qu'on a un peu plus de circuits ouverts. Je vais vous montrer la Suède. Parce qu'avant de vous montrer un rallye, voilà. Vous allez tout de suite comprendre. C'est exactement comme sur la console, c'est-à-dire que le jeu dégrade les graphismes parce que 4 véhicules en même temps, c'est pas du tout la même chose à afficher pour la console que un seul véhicule. Alors là, il va falloir les oreilles bien débouchées parce que la musique de la partie arcade, c'est vraiment la même que la musique du jeu. Donc je vais essayer de me taire pour vous faire écouter un petit peu le son du jeu. Je vais mettre le son à fond et on se retrouve juste après. Alors je pense en fait je peux laisser la musique comme ça parce que ça reste pas assez fort. Bon par contre là le ressenti de la piste vraiment sur la neige, je le sens vraiment. La voiture galère vraiment à ressortir. Il y a très peu de grip et quand on tourne, ça tourne quasiment pas.
Ça c'est vraiment bien rendu, la surface est bien maîtrisée je trouve. Alors c'est très difficile hein, gérer ce genre de choses quand même, hein, parce que c'est un effet de ralentissement, il y a pas mal d'éléments de gameplay à rajouter, et pour un jeu de portable c'est à l'époque très très difficile. Faut savoir quand même que la Game Boy Advance c'est un peu Nintendo, Super Nintendo, avec un chipset graphique un petit peu plus puissant, mais légèrement, hein. C'est pas non plus, voilà, on n'est pas non plus à un niveau exceptionnel. Alors la musique, franchement, plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. C'est le même que le 2, hein, mais je veux dire, elle est plutôt pas mal dans le sens où je trouve que le rendu est bon. La Game Boy Advance, elle a comme essayé de faire quelques sorties de voix et quelques sorties de musique correctes. Mais c'est souvent, c'était adapté par rapport au jeu. Là, on prend vraiment des musiques qui sortaient sur console, donc on peut vraiment comparer. Et franchement, ça va. Franchement, ça va. Non, par contre, je suis super nul. J'arrive même pas à rattraper. Enfin, je le rattrape, mais à chaque fois que je le rattrape, je fais une erreur. Donc, du coup, c'est pas super cool. Donc là, on sent vraiment, voilà, l'effet de glissade, on l'a. Hein. Voilà, là, ça glisse toujours. Je suis toujours un peu en travers. Oh là, on est passé du verglas. Et du coup, je suis parti à la faute. Et donc comme je vous disais, bah, la console est un petit peu à la ramasse pour afficher trois autres voitures avec nous. On voit que c'est carrément de la 2D. C'est de la 2D, il y a un sprite qui est totalement mitmappé, enfin comment dire. Des détails qui sont mis au minimum. C'est une bouée de pixels en fait, avec qui on se bat. Et vous allez voir, c'est encore plus violent quand on va voir le replay. Parce que dans... Alors j'ai vraiment du mal. Hein. Oh la vache! Pour sortir de là, je galère. Je suis troisième. On va essayer de se concentrer. Alors il n'y a pas de dommage hein, puisqu'on est en mode arcade, mais il y a la gestion, vous avez vu tout à l'heure dans le menu, il y a la gestion quand même des dégâts pas forcément visibles, mais en tout cas moteur mécanique sur la voiture. Je n'y arrive absolument pas. Alors j'ai pas de vue arrière hein, par contre, je peux pas regarder derrière moi non plus. Voilà, je freine un petit peu pour essayer de passer, mais c'est compliqué. Et là encore, c'est que le mode arcade. Imaginez le rallye en tant que tel. Le rallye de Suède doit être vraiment violent. Ah, la partie verglacée, elle est compliquée à négocier. J'ai fait un tour en 1,28. J'ai réussi à être encore plus lent que tout à l'heure. Ce qui est quand même un exploit. Donc, j'ai été pris au moins 3 arbres et 4 fois la glace. Alors, on est à fond. Alors, quand je dis on est à fond, on est à 100 km/h. Par contre, voilà, on perd vraiment le grip d'un coup et c'est difficile de la contrôler une fois qu'on a tapé, enfin qu'on est parti un petit peu à l'écart. On va finir le dernier tour quand même, hein, histoire de voir un peu la fin, le début du replay, pardon. Le mid-mapping, en fait, c'est une technique qui consiste à distance, en fait, une certaine distance, avec plusieurs échelles de distance, de réduire la taille des textures. C'est-à-dire qu'en gros, une texture au loin va tendance à être compressée, puisqu'elle est trop loin, elle est au loin, donc en fait, pas d'intérêt qu'elle soit ultra bien faite. Je fais n'importe quoi. Regardez-moi ça, je suis en marche arrière, ça glisse énormément. Et regardez, il y a les traces qui se forment derrière la voiture. Et quand même, détail, mine de rien, plutôt pas mal. Je vais finir dernier. Ça, je le sens arriver. On a les traces au passage de la voiture, quoi. C'est quand même, ils ont fait un effort. Ce jeu est pas mal, hein, mine de rien. Bon, voilà, vous remettre dans le contexte toujours. Mais par rapport à Rally 3, je trouve que Rally 3 est meilleur, dans tous les cas. Mais les efforts de fait, il est pas si loin quand même, hein, Colin McRae Rally 2. Genre, si vous avez Colin McRae Rally 2 sur GBA, vous n'êtes pas fait non plus enflé, hein, faut pas dire ça. Ça reste correct. Gestion des chocs, bon, ben voilà, vous l'avez vu, il y en a. On traverse pas les IA, ça c'est bien aussi. Voilà, par contre, voilà, là, ça glisse. On va essayer d'accélérer mieux. Et du coup, on finit troisième. Bon. Un petit dérapage sur la fin, c'est sympa. Et je vais vous montrer, vous allez voir au replay, regardez bien les voitures autour. Vous allez voir du coup le taille graphique au fur et à mesure que la caméra va avancer ou reculer. Vous voyez, quand c'est par exemple l'IA deux voitures en même temps, elles vont commencer à avoir un degré de pixelisation qui est différent. Et quand on va être très très proche, enfin moyennement proche, elle va être moins pixelisée possible. Bon, on a fini troisième, c'était pas super intéressant, c'était pas super pas intéressant, mais c'était pas super. Je vais recommencer, pas ce que je voulais faire, quitter.
principal. Je vais vous montrer du coup un mode de... Alors Link Cartouche, je ne pourrais pas vous montrer. On va faire un mode rallye. On va faire un championnat, non, en course unique. On va regarder le mode débutant. On va se mettre en un joueur. Je vais prendre... Bah, les Lacto est à court là, pour une fois. Et on va faire le rallye de Finlande. On peut voir donc les configurations d'un spécial, spécial 1. C'est vraiment... Ouais, c'est exactement les mêmes assets que sur Play, hein, vraiment. Enfin, je vous dis, on va faire une comparaison un jour. ça ressemble vraiment. Les réglages, bon, on va laisser comme ça. On va laisser par défaut. On va enfin courir. Oui, des fois ça accélère, des fois c'est un peu plus lent. Bon, c'est pas très stable, effectivement. Mais quand elle est stable, quand elle est stable. Quand elle est rapide, la Frogmite. Regardez, vous avez vu le mouvement de caisse? Alors, ce mouvement de caisse existait dans le jeu originel. Hein. C'est-à-dire que si vous prenez un virage trop vite, même dans le 1, la voiture partait en tonneau. Hein, et maintenant, les suspensions, elles tiennent plus. Et du coup, ça rendait le jeu assez difficile. Là, c'est un peu exagéré par contre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a les partiels en temps réel. On peut voir nos classements aussi en temps réel, plutôt la spéciale. Donc, ça, c'est bien aussi. Ouais, je vous laisse un petit peu avec le son du jeu. Je fais 80 km/h, hein, je suis pas si rapide que ça. Oula, par contre, j'ai tapé l'arbre. Il y a quelques petits sauts. Voilà, ce que je vais reprocher aussi par rapport à Verali. C'est qu'il n'y a pas, y a pas de gestion, vous allez vous rendre compte, de profondeur, enfin de profondeur, de dénivelé. Dans Verali, c'était très bien fait, on pouvait voir la voiture par exemple prendre une bosse, monter, redescendre, avoir un effet de descente. Là, on l'a pas du tout. Les pistes restent très plates. Par contre, voilà, l'effet de boost sur la voiture, c'est plutôt convaincant quand même. On a fini premier. C'est plutôt bien pour une première spéciale. On continue, on va voir un petit peu la deuxième spéciale. Voilà, donc il n'y a pas d'effet de... J'ai pas vu en tout cas d'effet de montée-descente. Alors peut-être qu'il y en a, mais en tout cas j'en ai pas vu beaucoup. Parce que la Finlande est quand même très connue pour avoir des parties très rapides avec des boss. Alors on les a, hein, elles sont matérialisées par des petits trucs comme ça, voilà ici. Mais pas, il n'y a pas plus quoi. Et là par contre la framerate, oh elle a du mal. Ouch. Et vous voyez, je trouve le jeu plus maniable, enfin plus... Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On peut presque jouer avec le balancement de caisse gauche-droite. C'est pas très réaliste, mais bon. Et je trouve quand même plus drôle à conduire, à piloter, que par exemple le Toka Touring Car qu'on avait fait avant. Je trouve plus amusant, quand même, que ce jeu. Voilà, j'ai tapé. Ah, ils ont fait les efforts, vraiment, voilà, c'est ce que je soulignerai dans ce jeu. Bien essayé, voilà, ça serait la phrase de fin d'un test de ce jeu. C'est bien tenté. Ah, imaginez ce jeu avec, allez, 50 mètres de plus de profondeur d'affichage. Le jeu est très jouable. Là, il en manque un petit peu, mais on est proche de ce qui est vraiment intéressant pour vraiment avoir comment dire, pouvoir anticiper les virages. Alors on a quelques dégâts, on va évidemment les réparer. Bon, les réglages c'est un petit peu comme ça, hein, mais bon, on va faire courir. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer pour le moment. Alors les sons aussi, hein, ressemblent beaucoup à ceux du 2. Alors j'essaie de les comparer vraiment.
Mais il y a... Bon, la différence est très très légère, mais il y a une petite différence. Contre, ce que j'aime bien, c'est les dérapages quand on est sur du gravier. J'ai l'impression qu'on est en train de tuer le bitume avec, quoi. C'est... Là, je galère, hein. Franchement, je sais pas si vous arrivez à comprendre les affichages, hein, parce que l'affichage qui vous dit tourner droite gauche. Franchement, il y en a tellement. À la fin, je suis perdu, quoi. Je n'arrive même plus à savoir dans quel ordre c'est. Je sais plus pourquoi ça commence. Si c'est à gauche, à droite, enfin, il y en a trop. Il y a trop de trucs à l'écran. Je pense qu'ils auraient mieux fait d'en afficher qu'un à la fois, parce que trois d'un coup. Enfin, là, je suis paumé, hein. Bon, si c'est double. Non, encore à droite. Après, c'est un gros à gauche. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Je ne comprends pas du tout l'affichage. Aïe, non, on s'est pris le. Ah, le problème, c'est que là, je suis bloqué. Ah ben voilà, je fais comment là? Là, je suis bloqué. Dis pas que le jeu n'a pas prévu de se débloquer. Ah si, c'est bon. On va réussir à repartir. Alors, vous avez vu qu'il y a aussi quelque chose de bizarre. J'ai l'impression que la saleté a disparu, mais bon, entre les deux spéciales. Par contre, je suis très très loin. Hein. Je pense que le prochain secteur, je suis dernier. Ouais, c'est ce que je pensais. 15 secondes de retard. On va voir si on peut remonter. On peut remonter un peu. Non mais là, concrètement, leur affichage, ils afficheraient débrouille-toi en plein milieu, ça serait pareil. Hein. Je serais pas plus avancé. Pas moins avancé. Alors, vous avez vu, je suis passé un petit peu à l'intérieur et la voiture elle a glissé totalement. Je vous dis, les changements de grip sont quand même bien étudiés. Alors, les spéciales sont pas très longues, hein. T'as 2 minutes 20 spéciales. Bon, j'améliore un petit peu sur la fin, mais je termine dernier. Du coup, c'est pas spécialement bon. Attendez, on a une vue embarquée là? Oh, j'y ai cru pendant 2 minutes là. On a une vue embarquée? Oh, ça aurait été bien qu'il y ait une vue embarquée. Bon, je trouvais le mieux rallye. Ouais, est-ce que j'appuie sur Select? Il passe rien. Les gâchettes ne font rien. Si je fais Select, il se passe rien non plus. Donc j'en déduis bah, qu'il n'y a pas de touche tout simplement pour changer de vue ni rien. Alors on va faire une petite dernière spéciale. Puis bah, on se laissera là-dessus. Bon, si je devais donner une note pour comparer entre les deux. Bon, vers Rally 3, 18, hein, honnêtement. Bon, il n'est pas parfait, mais 18 sur 20. C'est le meilleur jeu de rallye de la console. Ça restera le meilleur jeu de rallye de la console. Mais par exemple, celui-là, ce jeu, je le trouve bien meilleur par exemple que Sega Rally. Sega Rally sur Game Boy Advance, je trouve moins bon que ce que Koei Rally 2. Donc ça serait le deuxième meilleur jeu. Alors il y a les Top Gear, attention, qui sont plutôt pas mal. Aussi, sur GBA, alors on les a pas fait, hein, sur GBA je crois. J'ai pas souvenir qu'on les ait fait. Allez, là je me tourne complètement, allez, je tourne de l'autre côté. Allez, la gestion des suspensions, ça c'est un peu une hérésie, mais bon. Ah, je suis parti un peu à la faute. Non, si je mets 18 à Verali, je mettrai 15 à celui-là. Un bon 15. Alors ça fait 3 points d'écart quand même. Mais vous avez compris pourquoi. Hein. Voilà, les maniabilités un petit peu louches des fois, quelques bugs comme ça, enfin le fait des suspensions, les spéciales pas trop cohérentes, affichage loin un peu compliqué. Il y a une vue embarquée en plus dans Verali 3 hein, qu'on n'a pas ici. Voilà, je les décore de manière un petit peu moins jolie. Voilà, on s'en sort un petit peu mieux, j'ai l'impression. Pas de spécial. Oula. Ça fait de la correctionnelle hein, avec les arbres sur le côté. Ah oui, au niveau des chocs, bon, c'est pas très impactant. Enfin, c'est impactant si pour au niveau du temps, mais vous avez remarqué quand même que la voiture fait pas de tonneau, elle fait pas de.
On n'est pas ralenti, enfin on est ralenti juste, mais il n'y a pas d'énorme choc, ça casse rien du tout. Et on a fini spécial, et 5 secondes avant sur le deuxième. On a juste un petit point rouge sur le secteur. Ok, bah écoutez, c'est. On va s'arrêter là-dessus. Donc c'était Colin McRae Rally 2 sur Game Boy Advance, pardon. J'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!